Évidemment que j'ai prévenu sa femme. Elle est infirmière, elle bosse de nuit, elle. Comment elle va? À votre avis, pourquoi vous retournez pas à vos réunions pendant que je gère? Morel, je suis votre supérieur. Capitaine Shérif Ébriard, police judiciaire. Adjudant-chef Morel, ce sont Méga que vos collègues interrogent comme des suspects. On va tout vous expliquer. Vous êtes? Je suis le commandant Garnier. C'est moi qui suis responsable pour l'ensemble de la caserne. Tout le monde ici se tient à votre disposition. Lucas était un de mes hommes. Je vais être tenu informé de l'enquête. Bon, Lucas a été assassiné. Quelqu'un lui en voulait? Pas dans la caserne, en tout cas. Et en dehors, franchement, j'y crois pas. Les gars sont des sapeurs. Ils ont le sens des responsabilités. Pas besoin de fouiner dans sa vie privée. On va quand même faire une réquisition concernant son téléphone. Cherchez quoi exactement? Élucider un meurtre. On va vérifier les emplois du temps de chacun de vos sapeurs. Vous compris. Vous étiez où ce matin? En renfort de l'équipe de nuit. Sur le carambolage de l'autoroute. On a fini à 6h du mat. Quand j'ai entendu que Méga était sur une opération difficile, je suis parti les rejoindre. On est rentrés ensemble à la caserne. Ça vous va? Maintenant, j'aimerais rejoindre mon groupe. Je vous en prie. Il est toujours comme ça? Vous l'excusez. Il ne se rend pas trop compte. Il y a des discussions en ce moment sur les budgets. J'ai passé la semaine à la préfecture. Je vais m'assurer que tout le monde coopère bien avec vous. On va parler maintenant ou je patiente? J'ai rien à dire. Un vieil ami. Vieil ami à d'autres.